5 meilleures voitures à personnaliser dans GTA Online en 2023. GTA Online est un paradis automobile pour les passionnés car il propose une pléthore de véhicules. Bien que Rockstar Games modifie les modèles réels pour les adapter à l'esthétique du jeu, les fans aiment toujours parcourir la carte dans leurs Fiesters, Pegassi, Bravado et autres modèles. Bien que le style et les performances soient des considérations importantes, les joueurs sélectionnent également des véhicules en fonction du nombre d'options de personnalisation disponibles. Le studio de jeu propose une multitude de fonctionnalités dans différents garages de la carte. Cependant, déterminer la personnalisation d'un véhicule sans l'obtenir directement ou demander l'aide de sources extérieures est presque impossible. Par conséquent, cet article répertorie 5 des meilleures voitures que les joueurs peuvent personnaliser dans GTA Online en 2023. Bravado Buffalo STX, Fiesta Comet S2 et 3 autres voitures avec les meilleures options de personnalisation dans GTA Online. En première position, la Dimeca Jester RR. La Dimeca Jester RR est une voiture de sport et de tuner à 3 portes dans GTA Online. Version améliorée des Jester et Jester classiques, la version RR est basée sur la Toyota GR Supra de 5e génération, J29DB. Bien que le modèle standard soit l'une des voitures les plus élégantes du jeu, les joueurs peuvent également le personnaliser fortement. Los Santos Customs propose 13 pare-chocs avant, 12 pare-chocs arrière, 14 échappements, 15 spoilers, 14 capots, 16 livrées, des options de décoration intérieure et de nombreuses autres options de personnalisation. Le Jester RR est répertorié sur le site web Legendary Motorsport pour un prix de base de 1 970 000 $ et un prix commercial de 1 477 500 $. En deuxième position, la Bravado Buffalo STX. Lorsqu'il s'agit de combiner force et style, le Bravado Buffalo STX est le véhicule de choix pour de nombreux joueurs. Il s'agit d'une muscle car blindée et armée dans GTA Online, basée sur la vraie Dodge Charger 2015. L'apparence du STX est également distincte des autres muscles car du jeu, et Rockstar Games propose un certain nombre d'options de personnalisation pour personnaliser davantage ses visuels. Los Santos Customs fournit 9 pare-chocs avant, 9 échappements, 5 capots, 13 livrées, 16 spoilers et une variété d'autres accessoires. Les propriétaires d'agences peuvent également l'apporter à leur garage d'agence et l'équiper d'installations Imanitech. Le véhicule est répertorié sur le site web de Souterne San Andreas Super Auto pour un prix de base de 2 150 000 $ avec un prix de vente de 1 612 500 $. En troisième position, la Vapid Dominator GTX. La Dominator GTX est une muscle car à 2 portes dans GTA Online. Il a un corps solide et agressif avec des panneaux de pointe. Rockstar Games a basé le véhicule sur la vraie Ford Mustang 2015 présent, la Dodge Charger de 7e génération, la Chevrolet Camaro ZL1 2016 présent et la Ford Mustang GTT. Les joueurs de GTA Online peuvent le personnaliser avec 17 capots, 18 spoilers, 20 toits et de nombreuses autres options disponibles au garage Los Santos Custom. Le véhicule est également à un prix raisonnable, avec un montant de départ de 725 000 $ sur le site web de Souterne San Andreas Super Auto. En quatrième position, la Fiesta Comet S2. La Comet S2 est une voiture de sport dans GTA Online, basée sur la vraie Porsche 992. Elle a une personnalité et une apparence distinctes dans le jeu, et les joueurs peuvent la personnaliser davantage pour améliorer son apparence. Los Santos Custom propose 20 options de pare-chocs, 15 options de capot, 11 livrées et de nombreuses autres options de personnalisation. L'intérieur du véhicule peut également être personnalisé. Legendary Motorsport répertorie le véhicule pour 1 878 000 $ avec une valeur de reprise de 1 408 500 $. En cinquième position, la Bravado Gauntlet Classic personnalisée. La Gauntlet Classic Custom est l'une des muscle cars les plus agressives de GTA Online. Lorsqu'il est équipé de l'un des capots moteurs exposés et d'une carrosserie peinte en noir, il ressemble au summum des muscle cars disponibles dans le jeu. En plus de cela, les joueurs peuvent le personnaliser avec 18 spoilers, 11 livrées, 11 échappements, 14 pare-chocs avant, 6 pare-chocs arrière et de nombreuses autres options disponibles. Toutes ces modifications sont disponibles au garage Venice Original Motor Works dans GTA Online. Cependant, les joueurs doivent d'abord acheter le Gauntlet Classic pour 615 000 $, puis passer à la version personnalisée pour 815 000 $ supplémentaires.